C'est à ce jour le plus gros donateur de la Silicon Valley. Jack Dorsey, le fondateur de la messagerie Twitter, annonce donner 1 milliard de dollars pour la lutte contre le coronavirus. Dans une série de tweets, il explique que cela représente près de 30% de sa fortune personnelle. Il dit aussi ce qui le motive. Pourquoi maintenant ? Les besoins sont de plus en plus urgents et je veux voir l'impact dans ma vie. La vie est trop courte, alors faisons tout ce que nous pouvons aujourd'hui pour aider les gens maintenant. Ce sont tous les géants de la tech qui se mobilisent. Bill Gates et sa fondation ont déjà donné 10 millions de dollars pour aider à contenir la propagation du virus. Surtout, il promet des milliards pour construire des usines qui fabriqueront le futur vaccin. Il y a 7 projets de vaccins qui sont très prometteurs. Et même si à la fin on n'en choisira que 2, nous construirons des usines pour tous les 7. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, donne lui 25 millions de dollars pour accélérer la mise au point d'un traitement contre le Covid-19. Nous allons fonder un groupe qui va passer en revue tous les traitements dont nous savons qu'ils peuvent avoir un effet potentiel sur le coronavirus. Parmi les artistes, la chanteuse Lady Gaga a levé 35 millions de dollars pour les soignants. Angelina Jolie donne 5 millions pour les enfants pauvres. Le rappeur Kanye West a fait la même chose pour les personnes âgées. Et les artistes Ariana Grande et Taylor Swift ont versé directement 3 000 dollars sur le compte de leurs fans qui ont perdu leur emploi.